Ce matin, nous voulons parler d'un sujet important. Il s'agit donc de la foi. Développer la foi du moineau. Le moineau, c'est un petit oiseau. Développer la foi du moineau et vaincre l'esprit de mammon. Développer la foi du moineau et vaincre l'esprit de mammon. Je voudrais vous inviter à prendre avec moi Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24. Si vous y êtes, je fais la lecture. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et puis qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Je ne parle pas de vous. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les chrétiens qui les recherchent. C'est qui? Ah d'accord, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Développer la foi du moineau et briser et vaincre l'esprit de mammon. C'est le Seigneur qui donne cet enseignement à l'entame donc de son ministère. Sur la montagne, il se met à enseigner. Et ses disciples et la foule nombreuse venus l'écouter. Et il dit quelque chose de tellement important qu'il ne faut jamais oublier. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Servir vient d'un mot grec, d'un verbe grec, douléo. Être esclave d'eux. Être esclave d'eux. Donc, servir ici a le sens d'esclave. Il dit, on ne peut être esclave de deux maîtres à la fois. Et le mot maître ici vient du grec kurios, seigneur. Et ce mot-là, kurios, on l'emploie également pour le Seigneur Jésus, tout comme pour les maîtres de maison ou des propriétaires. Il dit, on ne peut être esclave de deux maîtres. Parce que si tu penses avoir deux maîtres, ce qui va arriver, c'est que tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Ou bien, tu vas t'attacher à l'un et tu vas mépriser l'autre. Et il fait une chute. Il conclut en disant, on ne peut servir Dieu et mammon. On ne peut servir Dieu et mammon.
En d'autres termes, il est en train de nous faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui est également un maître. Même s'il n'est pas au même niveau que Dieu, mais il s'apparente à un opposant de Dieu. Il est également un maître. Il s'appelle Mammon. Qui est donc ce Mammon? D'autres versions diront, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Si vous avez dû remarquer, il y a des versions dans vos Bibles, vous allez voir, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Ça pourrait faire croire que l'argent n'est pas bon. Mais je sais que vous avez déjà été enseigné ici là-dessus. L'argent, c'est bon? L'argent, c'est bon ou c'est pas bon? L'argent n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de ce que tu en fais. Alléluia. Donc, Mammon, qui est-ce? En réalité, Mammon est un mauvais esprit. C'est un esprit impur qui se cache derrière l'argent pour pousser les hommes à l'idolâtrer. Mammon est un esprit au service de Satan qui voudrait emmener les hommes à voir l'argent comme la solution à tout. De la même manière que Dieu a des serviteurs, de la même manière que Dieu a des chantres, de la même manière que Dieu a des gens qui croient en lui, de cette même manière, il y a des personnes qui croient en Mammon et qui sont serviteurs de Mammon. De la même manière qu'il y a des personnes qui prient et qui s'attachent à Dieu, qui croient que Dieu peut tout faire et qui ne doutent pas un seul instant, de la même manière, il y a également des personnes qui croient que par Mammon, ils peuvent tout, en d'autres termes, par l'argent. Mammon veut pousser les hommes à l'adorer. En réalité, l'objectif de Mammon, c'est d'arracher l'adoration qui est due à Dieu pour que les hommes puissent lui faire allégeance. Mammon désire qu'on parle toujours d'argent. Mammon désire qu'on voit l'argent comme l'élément central de la vie de l'homme. De sorte que quand tu n'as pas d'argent, tu te sens un peu bizarre. Vous n'avez pas remarqué, chers frères et sœurs, que quand on est un peu, on se sent plein d'assurance. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand tu as l'argent, tu te sens fort et puissant. Et même si tu as une voiture et que par mégarde, tu as renversé un enfant, Dieu merci, il n'est pas mort, mais il est blessé, cela nécessite qu'on lui fasse des soins à l'hôpital, ton cœur ne bat pas. Pourquoi? Tu as un peu. Mammon a fait en sorte que l'argent est devenu l'élément central, important de la vie. On pense que sans argent, on ne peut plus rien faire. L'argent définit la valeur de l'homme aujourd'hui. Vous allez remarquer qu'un jeune qui a l'argent, on va l'appeler tonton. Et celui qui l'appelle tonton, ce n'est pas un autre jeune. C'est un vieux. Parce qu'il a l'argent. L'argent est devenu tellement important, parce que c'est Mammon qui le fait. Il fait en sorte qu'on mette l'argent au centre de tout. Quand l'argent manque, on commence à s'inquiéter. Quand l'argent manque, on commence à avoir peur. Et c'est ainsi qu'on définit, on peut ressentir les symptômes du règne de Mammon sur un cœur. Mammon règne sur les cœurs par la peur. Lorsque Mammon établit son règne dans une vie, la personne vit toutes sortes d'inquiétudes, de peurs. Le riche a peur de perdre son argent. Le pauvre a peur de ne pas en avoir suffisamment. On a peur de tout. On s'inquiète quand l'argent diminue. Mon épouse me rendait le témoignage d'un monsieur. Sa servante vient lui dire, « Tonton, tonton, gaz est fini. » Le gaz est fini, puis tu ris. Le gaz est fini et tu ris. Avec colère. Pourquoi?
Le gaz est fini à un mauvais moment où il n'a pas d'argent. Et ce manque suscite une sorte de colère et d'inquiétude. Même dans le cœur du chrétien, lorsque l'argent commence à manquer, on est rempli d'inquiétude. Maman aime cela. Il aime quand le monde est plein d'inquiétude parce qu'il manque d'argent. On veut tout centraliser. Et comprenez que maman veut faire en sorte que tout soit réglé par l'argent. Tout soit solutionné par l'argent. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, mon frère. Lorsque maman règne, il y a la convoitise. On veut tout posséder. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Maman contrôle même les désirs, nos choix. Savez-vous que parfois on peut être influencé par maman dans le choix du mariage d'un conjoint? On cherche celui qui est un peu. Alors on dira, c'est normal. Qui a envie de vivre une vie de misère et de pauvreté? Qui a envie d'aller épouser un gars qui lui-même se cherche? C'est naturel, c'est normal. Mais faisons attention. Parce que tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Rien ne commence grand, ça commence petit. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Et lorsqu'on est influencé par maman, on peut se laisser induire en erreur. Imaginons une jeune fille qui s'intéressait à David, mais qui le dédaigne parce qu'il n'est qu'un simple berger. Elle aurait raté un roi. Ne nous fions pas à l'apparence. Lorsque maman gouverne, on pense que celui qui est un peu est forcément bien. Je veux parler à quelqu'un. Ne te laisse pas influencer par l'apparence des choses. Lorsque tu veux te marier au pied du Seigneur, crie à lui, il va t'orienter. Parce qu'il est le Dieu qui sait donner ce qui est bon. Malheureusement, des jeunes filles recherchent aujourd'hui les frères qui ont un peu. Et elle s'asseye, elle rêve. Ah, avec le frère Conan, c'est sûr que je pourrais avoir 3 servantes. Une pour la cuisine, une autre pour me manicure et pédicure, et une troisième, une nounou pour s'occuper des enfants, et même une quatrième pour aller au marché. Lorsque maman règne sur une vie, nos choix sont influencés. Et quand l'argent manque, on est ébranlé. On ne sait plus quoi faire. Lorsque maman règne également sur une vie, je vous disais, on est avide. On ne veut pas manquer quelque chose. Et on est pressé, on ne sait pas gérer. Alors on tombe dans ce qu'on appelle l'endettement. L'endettement arrive lorsqu'on ne sait pas attendre. On mange le repas de demain, aujourd'hui. On refuse d'attendre, on est impatient. Et on est contrôlé par une sorte d'euphorie. Vous allez remarquer même, quand vous entrez dans un supermarché, que vous n'avez pas une liste d'achat, et que ce jour-là, Dieu merci, tu as un peu. Tu risques de ressortir sans rien. Parce que ce que tu as même à la maison, tu vas acheter. Quand on a de l'argent, maman nous fait croire, parce que tu as l'argent, alors tu es super puissant. Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Est-ce à dire que Jésus est contre l'argent? Non, pas du tout. Mais en réalité, il veut nous amener à comprendre que ce que maman veut, c'est qu'il veut l'adoration. Or, notre adoration est réservée qu'à Jésus-Christ seul. C'est Jésus-Christ seul qui doit être adoré, qui doit être reconnu pour vrai et Dieu, et non pas maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et Jésus poussait en disant, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien.
Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de quel habit vous allez vous vêtir. Ne vous inquiétez pas. Parce que là où maman règne, on est inquiet, on est rempli d'anxiété. La peur est là. Nous sommes pratiquement à la fin du mois. Et la peur t'a gagné. Tu es assis là sans être assis. Quand tu entrevois les dépenses futures, ton cœur bat. D'où l'argent va me venir? Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de quoi vous serez vêtu. C'est alors qu'il va commencer à enseigner la foi du moineau. Il dit au verset 26, regardez les oiseaux du ciel. J'aime bien qu'on fasse attention aux mots. Jésus n'a pas dit, voyez les oiseaux du ciel. Il dit, regardez, parce qu'il y a une nuance entre regarder et voir. Voir, c'est apercevoir, c'est pouvoir, c'est ne pas faire forcément attention à ce qui est perçu par l'œil. Je vois une foule devant moi, mais si je commence à m'intéresser à un détail, je commence à regarder. Regarder donc fait appel à l'attention, à être plus précautionneux, plus attentif à un détail. Et il dit, ne regarde pas le ciel, il dit, regarde les oiseaux. Regarde les oiseaux. Et puis, regardez ce qu'il ajoute, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent pas non plus. En d'autres termes, ils ne font pas champ, ils n'ont pas de compte bancaire, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Votre Père céleste les nourrit. Alors il commence à poser un principe qu'il est bon de capter. Il dit, si les oiseaux qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, qui n'amassent pas, sont nourris par Dieu, Dieu s'en occupe. À plus forte raison, toi qui connais le Seigneur, qui sème par les offrandes, qui moissonne, qui amasse, un être intelligent comme toi. Si Dieu s'occupe d'un être inintelligent, ce n'est pas de toi qu'il ne va pas s'occuper. Alors il faudrait qu'on puisse prendre conscience et refuter la devise de maman qui voudrait qu'on puisse seulement compter sur l'argent qu'on a pour pouvoir être en paix. Il dit non. Tu dois comprendre que Dieu se présente comme le pourvoyeur par excellence. Dieu dit, il s'occupe des oiseaux, il s'occupe également de toi, et il s'occupera de toi aussi longtemps que tu seras en vie. Par ce verset, Jésus va nous faire comprendre que Dieu s'occupe aussi des païens. Dieu n'a pas commencé à s'occuper de toi quand tu t'es converti. Dieu n'a pas commencé à t'aimer quand tu t'es converti. Avant ta conversion, Dieu t'aimait. Avant ta conversion, Dieu prenait soin de toi. Il t'a préservé de tout cet accident. Il t'a donné à manger. Nous avons oublié que Dieu est un Dieu providentiel. Il prend soin de chaque être humain. Il prend soin de chaque chrétien. Et Dieu voudrait que tu puisses sortir de l'inquiétude, de la crainte dans laquelle maman veut te placer. Il dit non, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je prends soin de toi. La foi du moineau, c'est cette ferme assurance que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse par amour et par grâce, et non pas comme un mérite, non pas comme un retour à de bonnes actions que nous aurons menées pour lui. Quelqu'un m'entend ce matin? Dieu dit, je prendrai soin de toi. Ne t'inquiète pas. Si je prends soin des oiseaux, ce n'est pas de toi que je ne vais pas prendre soin. On a vu le jeudi, Jésus qui traverse le lac de Génézareth, lac de Galilée, il s'en va au pays de Gadara pour rencontrer qui? Un fou. Les disciples même ont failli se noyer.
Et j'imagine, c'était nous. Attends, Jésus, on a fait tout ça, on a failli mourir, c'était pour qui? Où est l'homme là? Où il est? Pour un fou qui ne sait pas prier, qui ne peut pas prier, qui a perdu le sens. Jésus s'est déplacé pour un fou. Alors si Jésus peut prendre soin d'un fou, s'il peut aller braver la situation pour un fou, à plus forte raison, toi qui es son enfant bien-aimé, qui l'aime et qui marche pour lui. Tu veux nous amener à une autre dimension de confiance en lui. C'est ça la foi du moineau. Ne pas s'inquiéter. Il poussit en disant, regardez la liste des champs, c'est des fleurs. Il dit, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été habillé comme eux. Alors, as-tu un problème? Alors, as-tu un souci? Il dit de ne pas t'inquiéter. Frères et sœurs, moi je me suis inquiété jusqu'à ce que je n'ai rien gagné dedans. Donc je dis, je ne m'inquiète plus. Si toi, tu n'as pas encore fini, du courage. Vous vous inquiétez, on s'inquiète. Je me suis inquiété, j'ai passé des nuits blanches, j'ai réfléchi à des situations, je n'ai pas trouvé de solution. Et Jésus dit, lequel d'entre vous qui, par ses inquiétudes, peut augmenter la durée de sa vie? Personne. L'inquiétude nous ronge. Vous savez, quand quelqu'un est anxieux, il tombe parfois dans la dépression. Et la dépression, là, peut se manifester de deux manières. Dans la dépression où tu n'arrives plus à manger. Tu dors plus, tu ne manges plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu dépéris. Tu maigris. On dit, sœur, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas. Mais la dépression se manifeste autrement. Tu manges tout le temps. Et tu grossis. Alors on dit, ça va chez elle. Elle est en train de mourir. L'inquiétude nous détruit. Alors Dieu veut nous apprendre à développer la foi du moineau. Alléluia. Dieu veut que tu aies les regards fixés sur lui. À travers un exemple concret, il veut nous apprendre à développer cette foi du moineau. 1 Roi chapitre 17. Avec l'exemple du prophète Élie. Oh, j'aime ce prophète-là. Comment développer donc cette foi du moineau? À travers l'exemple du prophète Élie, nous allons découvrir. Dieu dit au prophète, lève-toi, va au torrent de Kérit. Là, j'y ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Pendant le temps de la famine, la sécheresse qui prévalait. Dieu dit à Élie, je vais te nourrir là-bas. C'est important. Premier élément important pour développer la foi du moineau, c'est de comprendre qu'il faut développer ou maintenir une relation dynamique entre Dieu et nous. Dieu est un Dieu qui parle, est un Dieu personnel, qui s'adresse, qui oriente, qui guide, qui conseille, qui réprimande. Dieu veut qu'on ait cette relation-là. Élie ne s'est pas levé sur un coup de tête. Parce qu'il avait une relation qui existait déjà entre lui et Dieu. Dieu a pu lui dire, lève-toi et va dans tel endroit. C'est pourquoi Dieu veut qu'on prie. Par la prière, Dieu oriente, Dieu nous parle, nous parlons à Dieu. Et Dieu nous parle également. Par une relation dynamique. Dieu dit à Élie, lève-toi et va au torrent de Kérit. Tu ne pourras pas voir la même puissance de Dieu agir dans ta vie sans relation avec lui. Si tu n'entretiens pas cette relation avec Dieu, tu seras toujours déprimé. Tu seras toujours rempli de peur. Mais il dit à Élie, lève-toi. J'insiste là-dessus. Développe cette relation avec Dieu. Par la prière, par la méditation. Il y a des frères qui prient beaucoup mais qui ne lisent pas assez la Bible. Vous êtes déséquilibrés. Ceux qui prient beaucoup sans lire la Bible, ils ont toujours plein de révélations. Plein de révélations. Or, s'ils lisaient la Bible, ils n'allaient même pas s'intéresser à ces révélations-là. Vous êtes déséquilibrés.
C'est toujours à eux que Dieu parle. Dieu leur parle. Seigneur, je dois préparer quoi aujourd'hui? Graines ou bien aubergines? Tous les jours. Ils voient des démons un peu partout. Même quand il marche, il est plein, il est sous tension. À première vue, vous penserez qu'ils sont spirituels. Parce que vraiment, leur langage, ah, Dieu vient me montrer quelque chose là, j'ai eu un flash. Et toi, tu as arrêté, tu dis, hey, quel jour on va avoir une telle relation, une telle dimension? Mais ils ne sont pas profonds dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas si dans la parole de Dieu. Oh, il te faut prier, mais en même temps, il te faut lire la Bible. Je vous raconte une anecdote. Au début de ma conversion, j'étais intrigué par ce qui est arrivé à Judas. Et le Pépé a parlé de Judas ce matin. Pépé, je rentre. Parce que comme on est beaucoup à la maison, on cherche un endroit calme. C'est au WC. Je rentre au WC. Seigneur, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Il est sauvé ou il est perdu? Et à cette époque, j'apprenais à écouter la voix de Dieu. Donc je voulais que Dieu me réponde. Et j'étais sincère. Dieu ne répond pas forcément toujours à notre sincérité. Quand tu ne maîtrises pas une loi, ça ne t'empêche pas de subir les conséquences de la loi. Vous connaissez bien la loi de la gravité, non? On dit quoi? Tout objet jeté en l'air, ça subit une force. Donc la terre attire tout objet à elle. Maintenant, imaginons, moi, je ne suis pas là à l'école. Je n'ai pas appris ça en physique. Donc, si je saute d'ici, je vais serai suspendu. Je vais subir. Donc, notre ignorance, même dans la sincérité, ne va pas nous empêcher de subir quelques conséquences de la loi. Je suis en train de prier, Seigneur, montre-moi, dis-moi, dis-moi. Or, dans Jean 17, Jésus dit, tout ce que tu m'as donné, aucun ne s'est perdu excepté le fils de la perdition. C'est écrit. Comme je n'ai pas eu le temps de lire, je veux que Dieu me le dise de façon surnaturelle. Je perds mon temps. Il y a des révélations que tu cherches qui se trouvent dans la parole de Dieu. Et tu es inquiet pour rien. Et on a des prophètes qui courent les rues, qui inquiètent les frères pour rien. J'ai eu un songe sur toi, j'ai eu un songe. Voiture t'a écrasé. Ah! Et le frère n'a même pas envie de sortir. Il dit, ah, lui là, Dieu lui parle. Les aînés sont là, hein? Ils peuvent me contredire. Mais quelqu'un qui a toujours des révélations sur des choses négatives sur toi, ou monsieur les gens, lui, Dieu ne lui montre jamais que tu vas être élevé, Dieu ne lui montre jamais que tu vas être béni. Lui, il voit la mort seulement. On a coupé ta tête. J'ai vu quelqu'un a coupé ton oreille. J'ai vu, ils ont volé ton argent. Lui, toutes ces révélations, c'est tout est noir, noir, noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les fuis. Élie avait une relation dynamique qui fait que Dieu lui parlait, lui, à lui. Et Dieu veut te parler à toi. Pas toujours par quelqu'un d'autre. Dieu veut s'adresser à toi. Et en parcourant la Bible, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui ont fait des songes et qui n'ont pas compris ces songes-là, la plupart des temps, ne connaissaient pas Dieu. C'était des païens à qui on expliquait les songes. Le pharaon d'Égypte et tout ça. Mais la plupart des frères ou de ceux qui connaissaient Dieu, qui avaient des songes, ils recevaient l'explication. Même quand Daniel a vu un songe et qu'il ne comprenait pas, il s'est mis à prier, Dieu lui a expliqué le songe. Mais pourquoi toi ton songe, là c'est toujours, parfois je suis un peu surpris, les gens viennent me voir, passez, viens. Et oui, soeur, il y a quoi? J'ai fait un songe là, je courais et puis après j'ai glissé, je suis tombé aux États-Unis. Après, ça veut dire quoi? Il dit, moi je voulais te poser la question, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
On en a toutes sortes de micmacs. Si Dieu n'est pas passé par Jean et qu'il t'a donné le songe, c'est qu'il te donne un message que tu es capable de comprendre. Et si tu ne l'as pas compris, interroge celui qui t'a montré le songe. Je veux le dire en toute franchise, on est parfois paresseux. Aujourd'hui, à la mode, on cherche dans l'église ceux qui aiment beaucoup prier et on dit, ah, il paraît que le frère Jean et son groupe là jeûne. Dieu merci. Frère Jean, j'ai un sujet. Donc, il y a dans l'église ceux qui jeûnent et prient et qui dépérissent, et il y a ceux qui mangent et prient et qui grossissent. Que Dieu nous aide. Dieu veut une relation dynamique, interactive. Amen. Deuxièmement, il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. Quand maman nous fait croire qu'on doit obtenir tout par l'argent, ça veut dire qu'on est rempli d'inquiétude quand on n'a pas d'argent. Maman ramène tout à l'argent. Mais là, Dieu se présente comme la source d'approvisionnement pour Élie. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir, je vais te nourrir là-bas. Bien que tu n'aies pas d'argent, je vais te nourrir là-bas. Je prendrai soin de toi là-bas. Je vais te nourrir. Une vérité que je veux que tu comprennes. Dieu n'a jamais promis de donner de l'argent. Montre-moi un verset où Dieu dit, je te donnerai de l'argent. Il dit, je pourvoirai à tous tes besoins. Le pouvoir de Dieu ne se limite pas à l'argent. Le pouvoir de Dieu ne se limite pas à l'argent. Ne limitez pas Dieu par l'argent. Philippiens 4, 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ensuite, des supplications avec des actions de grâce. Il dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître quoi à Dieu? Vos besoins. Il n'a pas dit vos problèmes. Faites connaître vos besoins. Je vais vous expliquer. Dans Jean 5, Jésus va à la piscine de Bethesda, il trouve plusieurs malades. Il va vers un malade en particulier. Et quelle est la question qu'il lui pose? Veux-tu être guéri? Ça, c'est son besoin. Comment lui répond? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'ange vient remuer l'eau. C'est son problème. Jésus s'intéresse à son besoin. Son besoin, c'est quoi? C'est la guérison. Comment il va être guéri? C'est ce qui constitue, nous, notre problème. Tu as peut-être mal. Tu as un problème qui nécessite une opération chirurgicale. Mais tu n'as pas d'argent. Alors, c'est ce problème que tu présentes à Dieu. Dieu dit non, présente-moi ton besoin. Tu veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, guéris-moi. Et si Dieu veut que tu sois guéri par une opération, il pourvoira. Il enverra l'argent pour que tu sois opéré. Si Dieu veut te guérir de façon miraculeuse, il va te guérir sans argent. Notre problème, c'est que quand on n'a pas l'argent, on est inquiet. Comment je vais faire? On dit, il faut 200 000. Ça, c'est fini, on est mort maintenant. Où on trouvait 200 000 là? Et on est inquiet. Parce que maman nous dit, si tu n'as pas les 200 000, ton problème ne peut pas être réglé. Jésus a nourri plus de 5 000 personnes sans argent. Ton besoin, tu veux un toit. Tu veux avoir une maison, c'est ton projet. C'est naturel, c'est normal. Et je te bénis Dieu pour cela. C'est bon même. Mais tu n'as pas l'argent. Et c'est parce qu'on pense qu'on veut tout ramener à l'argent qu'on se sent obligé de voler. Seigneur, aujourd'hui, pour avoir maison, là, c'est pas facile. Hein? Mon salaire, là, quand il finit de faire les dépenses, il n'y a plus rien. Donc, si je ne prends pas un peu comme les autres, je ne pourrai pas m'en sortir. On pense que sans argent, on ne peut pas atteindre les objectifs.
Dieu dit, il promet pourvoir tous nos besoins selon sa richesse. Jeune fille, arrête de te livrer à la débauche à cause de l'argent. Ton avenir n'est pas lié à l'argent. Tu peux être issu d'une famille qui n'a pas l'argent. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas quelqu'un demain. Suis les traces de Jésus. Il est celui qui peut amener à l'existence ce qui n'existait pas. Ne vous fiez pas au monde. N'enviez pas les païens. N'enviez pas ceux qui roulent dans les grosses voitures, dans des grandes maisons et qui ne dorment pas la nuit. N'enviez pas des gens, des jeunes filles bien habillées. Vous savez, j'aime le dire souvent dans la loi. Il y a parfum, mais il y a parfum. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des parfums, pendant que tu pompes dans la chambre, quand il y a un petit coup de vent, ton parfum est fini. Tu ne sens plus rien. Mais il y a d'autres parfums, quand tu mets, ou tu as salué quelqu'un qui a mis un vrai parfum, 3 jours, tu te laves, même c'est là. Et parfois, on envie de telle personne. Mais n'envie pas quelqu'un qui ne peut pas rendre témoignage de l'origine de son habit, de l'origine de ses vêtements, de l'origine de ses chaussures, de l'origine de sa pommade, de ce grand parfum. Elle a honte de rendre témoignage parce qu'elle sait ce qu'elle a fait pour avoir toutes ces choses-là. Mais toi, reste digne, attache-toi à Dieu. Il est celui qui pourvoira tes besoins. Il y a un temps pour toutes choses, bien-aimées. Il y a un temps pour manger la manne. La manne était donnée par Dieu dans le désert. Il y avait un temps pour cela. J'aime caricaturer la manne. Matin, midi, soir, riz, sauce, graines. Lundi, riz, sauce, graines. Mardi, riz, sauce, graines. Mercredi, riz, sauce, graines. Jeudi, riz, sauce, graines. Dimanche, riz, sauce, graines. Même si tu aimes ça, arrive un moment. C'est ce qu'Israël vivait dans le désert. Son coucher, son frère, arrivé au moment, il commençait un peu à fatiguer. Peut-être que tu vis cette situation. Toujours le même habit, toujours la même pommade, ou même la même huile d'inor, en lieu et place de la pommade. C'est ta manne que tu es en train de manger. Mais ce n'est pas là la fin de ton histoire. Ce n'est qu'une partie transitoire. Tu vas entrer à Canaan. Ne laissons pas maman nous pousser à brader notre identité en Christ. Ne laisse pas maman détruire ce que Dieu a construit. Tu es un enfant de Dieu. Tout ne se résout pas par l'argent. La foi est l'élément principal, supérieur. Celui qui a la foi, il verra des choses extraordinaires. On attrape Jésus, on dit, pour payer un pot, il n'a même pas 5 francs en poche. Jésus ne panique pas. Dis à ton voisin, ne panique plus. Il n'a pas bien compris, dis-le lui. Jésus, on dit, il faut payer un pot. Il n'a pas paniqué, il dit à Pierre, va pêcher le poisson. Le premier que tu attrapes, ouvre son ventre, il y a l'argent dedans. Il dit, mais pasteur, ça c'était Jésus. Nous ici là, quand le propriétaire, le loyer arrive là, il n'attend pas qu'on aille à la pêche. Mais le Dieu que tu sais est un Dieu de miracles. J'ai dit, le Dieu que tu sais est un Dieu de miracles. Le Dieu que tu adores n'a pas changé, il est le Dieu du miracle. Il dit à Élie, faut rester à Kérit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Dieu se présente comme la source d'approvisionnement. Il est celui qui nourrit, celui qui apporte ce qui nous est nécessaire. Mais attention, il utilise un canal. Alléluia. Il est la source. Dieu est la source. Mais Dieu utilise des canaux de bénédiction. En des lieux de bénédiction. Et pour Élie, le canal de bénédiction, c'était les corbeaux.
Et son lieu de bénédiction, c'était Kérit. En d'autres termes, Dieu pourvoit tes besoins en utilisant une société dans laquelle tu travailles. La Sodécie où tu travailles est ton canal de bénédiction. Et le lieu où tu travailles est ton lieu de bénédiction. Si c'est Yopougon, si c'est Kokodi, si c'est Daloa, si c'est Korogo. Dieu utilise toujours des hommes ou des entreprises comme des canaux de bénédiction en des lieux précis de bénédiction. Alors, si un jour d'aventure, la Sodécie décidait de te lâcher, ne t'inquiète pas. Parce que ta source d'approvisionnement, ce n'est pas la Sodécie. Il n'est qu'un canal. La source, elle est intarissable, c'est Dieu. Il choisira un autre canal pour toi. On n'a pas à s'inquiéter. Dieu n'est jamais à court d'argent. Il n'est jamais à court d'idées. Dieu est fidèle, alléluia. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il peut tout faire. Il peut susciter quelqu'un de loin pour venir à ton secours. Même la personne à qui tu ne penses pas. Il y avait une veuve qui évangélisait son voisin inconverti. Elle lui parlait toujours de Jésus. Le vieux là, il est incrédule comme pas deux. Un vieux incrédule. Et un matin, la veuve est en train de prier. Seigneur, je n'ai plus rien à manger. Tu as promis pouvoir à tous mes besoins. Seigneur, interviens, fais quelque chose. Fais quelque chose. Et pendant qu'elle priait, le vieux incrédule passait par là. Et il a entendu. Et il dit, celle-là, chaque fois que je lui dis que Dieu n'existe pas, elle ne m'écoute pas. Je vais l'acheter de la nourriture. Lui, jeter ça par la fenêtre. Je suis convaincu qu'elle dira, c'est son Dieu qui a envoyé. Et c'est ce qu'il a fait. Il a lâché de la nourriture. Quand il est revenu, elle était toujours en train de prier. Et il est venu tout doucement. Il a jeté des sacs de riz, tomates, des éléments. Et elle a entendu le bruit. Elle s'approche. Elle a crié, alléluia, tu m'as exaucé, Seigneur. Et lui, il sort. Il dit, c'est pas Dieu, c'est moi. Mais il ne sait pas que rien ne l'obligeait à aller faire tout ça. C'est la source providentielle qui l'a poussé à faire ça. Et je me dis, sur la vie de quelqu'un, Dieu enverra des gens comme ça que tu ne connais pas. Des gens même que tu ne connais pas pour venir accomplir les désirs de ton cœur, assouvir tes besoins. Ne vous inquiétez pas. Refusez l'inquiétude, l'anxiété. Ce monde est rempli d'anxiété. Parce que les gens n'ont pas foi en Dieu. La foi en Dieu nous rassure. Quand tu sais en qui tu as cru, tu es tranquille. Tu n'as pas peur. Et même si la mort devait te prendre, la mort te jette dans les bras de ton Seigneur. Mais le païen, toute sa vie se résume à ce qu'il a. Ce qu'il possède. C'est pourquoi quand ça veut partir, il tremble, il n'a pas d'espérance. Mais vous et moi, nous avons une espérance vivante en Jésus-Christ. Notre vie ne se limite pas à ce qui est là. Christ est notre vie. Si Dieu n'a pas abandonné son propre fils, 3 jours après, il est sorti du tombeau, Dieu n'abandonnera jamais un d'entre nous parce qu'il est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Tu ne seras pas seul. Non, non, non. Sa houlette, son bâton te rassure. Il sera là pour te protéger. Amen. Dieu est la source d'approvisionnement. Il utilise des canaux de bénédiction. Alors fais attention, il y a des lieux de bénédiction. Il y a des lieux de bénédiction et il y a des canaux de bénédiction. Ne tue pas ton canal de bénédiction. Aie le discernement pour comprendre. Les chrétiens qui luttent contre tout, qui chassent tout le monde, même Dieu peut te nourrir par le sorcier d'à côté. Dis Amen.
Dieu n'est pas limité. Ton Dieu, il n'est pas limité. Rien ne le limite. Ayons de bonnes relations avec les uns les autres. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Mais il y a des chrétiens qui vont parler avec les voisins de palier. Ils ne parlent pas avec quelqu'un sur, à l'étage et ils ne parlent à personne. Et ce dimanche matin, tu as pris ta Bible. Allons pas tout publier, la victoire. Tu ne parles pas à quelqu'un. Et demain, tu cries à Dieu. J'ai besoin de telle chose. Tu attends le secours. Mais Dieu a prévu te secourir par ton voisin là. Tu ne parles pas avec lui. À ta grande honte. Que Dieu t'aide à changer cette situation. L'histoire d'Élie se poursuit. Élie vit un bonheur extraordinaire. Il est tranquille. Les corbeaux viennent lui apporter la viande, du pain. Il mange et puis il a l'eau pour lui, le torrent. Une belle vie, mes frères. Il mangeait bio. Tranquille. Et je veux dire à quelqu'un que quand Dieu est dans ton histoire, là, tu manges bien, tu dors bien, tu marches bien. Parce que Dieu ne donne jamais ce qui est mauvais. Il donne tout ce qui est bon. J'ai une pensée pour quelqu'un qui veut se marier. Tu t'inquiètes trop. Ta part n'est pas de t'inquiéter. Ta part est de fermer les yeux, de compter sur Dieu, de prier. Lève les yeux vers le Seigneur, prie. Mais avant de choisir, ouvre les yeux. Dieu va te conduire. Alléluia. Ah oui, je répète. Quand tu pries pour ton mariage, ferme les yeux. Mais pour le choix, il faut ouvrir les yeux. Car Dieu te conduira. Ne t'inquiète pas, Dieu te conduira. Si Dieu a conduit le serviteur d'Abraham à choisir Rebecca, il n'avait pas le Saint-Esprit avec lui tout le temps. Il venait de temps en temps le Saint-Esprit. Mais toi, l'Esprit de Dieu habite en toi. Il est avec toi. C'est toi qui vas échouer. Il y en a qui s'inquiètent. Est-ce que ce sera vraiment l'homme parfait? Il y en a qui cherchent des hommes parfaits ou des femmes parfaites. Un conseil. Allez-y voir les sœurs ou les frères de l'ange Gabriel. C'est là-bas seulement pour trouver des gens parfaits. Sinon, parmi nous ici, là, demandez à ma femme, je ne suis pas parfait. Elle n'est pas parfaite, mais vraiment, je l'aime. Et elle est irréprochable. Je suis comblé. Dieu m'a donné une épouse extraordinaire. Demandez-lui si je suis aussi extraordinaire, je ne sais pas. Ne t'inquiète pas. Alors, on pense que ce n'est pas l'argent. On peut être quelqu'un. Il y a des frères qui mettent l'argent devant pour avoir une soeur. Arrête ça. Sois naturel, sois toi-même. Ce n'est pas ton argent qu'elle va épouser, c'est ta personne. Soyons naturels. Fuyez les fiançailles faites à la locodrome devant les glaciers. Et le jour où tu n'auras plus de glace, tu n'auras plus de locaux, c'est pas sûr que l'amour tienne. Soyons vrais et comptons sur Dieu. Que l'argent ne soit plus notre leitmotiv. J'ai cette conviction, les projets que vous avez, Dieu vous donnera les moyens. Et Dieu passera par chacun d'entre vous pour avoir ces moyens-là. Élie, arrive un moment, il se trouve que le torrent sèche. Ça nous arrive aussi. Le canal de bénédiction et le lieu de bénédiction s'arrêtent. Et là encore, ce qui va se passer, parce qu'il avait une relation dynamique avec Dieu, Dieu lui dit, quitte Kérit, va à Sarepta. Quitte le torrent de Kérit, va ailleurs. Un enfant de Dieu qui a la foi du moineau ne s'inquiète pas quand l'entreprise qu'il emploie le renvoie. Quand la personne qui le soutenait ne le soutient plus. Lorsque de telles crises arrivent, c'est que Dieu veut changer de canal de bénédiction et de lieu de bénédiction. Dieu dit à Élie, je t'envoie à Sarepta, chez une riche veuve. Amen. Une pauvre veuve. Parfois, Dieu, il fait des choses qui nous choquent.
qui ne semble pas logique. En principe, de la vie qu'il menait là-bas à Kérit, il devait aller de gloire en gloire. Voici ce qui nous trompe. Et là, il change de canal. Il envoie vers une pauvre veuve qui n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour vivre, elle et son fils. Une autre leçon là nous attend. Élie, un homme de foi qui a compris comment Dieu agit, il ne s'inquiète pas. Il s'en va, il ressent clairement de la part du Seigneur. Il dit à la femme, donne-moi d'abord à manger. Quand je vais finir, toi et ton enfant, vous allez manger. Est-ce qu'il ne ressemble pas à un faux prophète celui-là? C'était nous, on a dit, vous êtes sûr que celui-là, c'est un vrai prophète? En principe, c'est lui qui devait apporter la nourriture à la veuve et non pas le contraire. Et la veuve a hésité. Mais en réalité, lorsque nous passons par certaines crises, Dieu veut voir qui est-ce qui règne sur notre cœur. Est-ce lui ou c'est maman? Devant les demandes d'argent, Dieu veut voir qui est vraiment le maître. Car si Jésus n'est pas le maître de ta poche, il n'est pas le maître de ta vie. N'avez-vous pas remarqué qu'il est plus facile de jeûner que de donner l'argent? Vous n'avez pas remarqué ça? Tu peux jeûner 3 jours, 4 jours. Tu te lèves, tu ne vois pas clair. Mais tu es calé là. On va faire. Je ne lâcherai pas. Mais tu es assis là. Et tu es venu. Tu diras, malheureusement, avec les 100 000 francs. Et pendant qu'on est en train de prier, tu entends une voix qui dit, fais l'offrande des 100 000. Satan. Je n'aime pas tes histoires là. Si on n'accuse pas Satan, on dira, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, parle à nouveau. Quand les choses ne nous arrangent pas, on dit à Dieu de parler 2 fois, 3 fois. Mais quand ça nous arrange, il finit même pas, même on dit, on vient. Il est plus facile de jeûner, prier, que de donner de l'argent. Parce que maman nous fait croire que ce que tu donnes là, tu es en train d'hypothéquer le reste de ta vie. Si tu as donné là, où est-ce que tu vas gagner encore? Sois sage. Sois sage. C'est pas tout on donne. Fais attention. Ne te laisse pas berner par les pasteurs de maintenant là. Ils vont s'enrichir sur ton dos. Et lui dit, donne-moi d'abord à manger. En réalité, Dieu ne s'intéressait pas à la nourriture de la veuve. Élie ne s'intéressait pas à la nourriture de la veuve. En réalité, il voulait susciter la foi dans le cœur de la veuve pour qu'elle soit candidate à un miracle de Dieu. La femme était libre de donner comme de ne pas donner. Chaque fois qu'il y aura appel d'argent ici pour un projet de Dieu, comprenez qu'il y a un lieu de bénédiction et il y a un canal de bénédiction. Du coup, ici, Élie devient le canal de bénédiction. Et Sarepta devient le lieu de bénédiction. Philippiens 4, verset 17. Philippiens 4, verset 17 à 19. Vous allez voir ce que Paul dit. Oh, il est merveilleux ce Dieu-là. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons. C'est Paul qui parle. Parce qu'on lui a offert... On a envoyé des offrandes abondantes à Paul. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour vous, pour votre compte. Verset 18, il dit, j'ai tout reçu. J'ai été, et je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Il dit, l'offrande est venue de comme un parfum de bonne odeur. Maintenant, suivez la suite. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mais si Dieu était là, est-ce que c'est Dieu qui a reçu le don? C'est Paul. Alors on comprend que faire un don à un homme de Dieu, c'est donner à Dieu.
Offrir, faire une offrande abondante pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un homme que tu le fais, mais c'est à Dieu. Et c'est quand tu finis ça que Paul ajoute au verset 19 qu'on aime bien citer. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ce n'est pas quand on cache, quand le portefeuille est collé, que Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Quand on sait répondre à un besoin stratégique de Dieu. Élie avait besoin de manger, mais la femme avait plus besoin de manger qu'Élie. Alors, c'est pourquoi dans la Bible ne dispense pas les pauvres de dons, ne dispense pas les pauvres d'offrandes. Tout le monde a quelque chose à donner à Dieu. Lorsqu'on lance un programme et un projet de l'Église, ne dis pas, moi je n'ai rien, je ne connais rien, je n'ai pas suffisamment d'argent. Ce que tu as est déjà suffisant, apporte-le à Dieu par la foi. Dieu pourvoira tes besoins. Dis à maman, ma vie n'est pas liée à l'argent. Même si je n'ai rien de ma poche, je vivrai. Et la veuve a donné son huile, donné ses galettes. Élie a mangé. Et quand il a mangé, il dit, je déclare dans cette maison, l'huile et la farine ne manqueront point dans cette maison. Et c'est ce qui est arrivé. Et je dis ce matin sur ta vie, parce que tu crois, parce que tu as laissé Jésus régner sur ton cœur, et non pas maman, l'huile, la farine ne manqueront pas dans ta maison. Même si tu es chassé de ton boulot, Dieu pourvoira tes besoins. Il faut vaincre l'esprit de maman. Tu es notre source principale. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit ta situation, es-tu malade, es-tu dans une situation compliquée, tu n'as pas d'argent. Ne vous laissez pas influencer. Les hommes mesurent les autres hommes par ce qu'ils ont, ce qu'ils possèdent. Mais toi, tu possèdes quelque chose que les autres n'ont pas. Acte chapitre 3, le boiteux devant le temple, la belle. La Bible dit, quand il les a regardés, Pierre et Jean, ils s'attendaient à recevoir d'eux de l'argent. Parce que ce boiteux, on lui a toujours dit, c'est avec l'argent. Depuis, il est là-bas, au temps de Jésus, là, il avait l'argent. Ça a changé quoi? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que l'argent a changé dans ta vie? Ah, parce que je mange mieux, je dors mieux. Oui, mais avec des cauchemars. On s'habille bien, mais laissez-moi vous dire, nu on est venu, nu on retournera. Un matin. Et ce qui me fait mal, je vous le dis. Ce que nous on conçoit avec notre argent là, ça dure plus longtemps que nous-mêmes. Le pont où il faut baigner est là. Où il faut mettre les où? La maison qu'on va construire là sera là. On va partir vite, fia. C'est pourquoi ce qui est important, ce n'est pas les éléments matériels que nous voyons là. C'est notre relation avec Dieu. Amen. Ne t'inquiète pas. N'aie pas de soucis pour le lendemain. Ne t'inquiète plus pour tes enfants. Et Paul dit que de ne pas vous inquiéter, mais en toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce et langage de reconnaissance. Tu ne mourras pas parce que tu n'as pas d'argent pour te soigner. Dieu te fera vivre. Tu ne seras pas toujours humilié parce que tu n'as pas d'argent. Dieu saura t'élever. Dieu est le Dieu qui fait des choses impossibles. Je termine en disant ceci. Dieu ne veut pas qu'on lui facilite la tâche. Dieu ne veut pas qu'on lui facilite la tâche. Fais-lui confiance. Le même Élie, il s'en va défier Baal, le prophète de Baal et Astarté. Le Dieu qui répondra par le feu est le véritable Dieu, n'est-ce pas? Quand ils ont échoué, Élie a demandé de faire construire l'autel. Qu'est-ce qu'il a demandé de faire après? De verser de l'eau combien de fois? 7 fois. Ils ont versé de l'eau sur des bûches. Les mamans là, quand on veut faire feu de bois là,
C'est bois mouillé, on prend, mais c'est bois sec. Élie, lui, l'a mouillé bois là. Il ne voulait pas faciliter la tâche à Dieu, parce qu'il sait que le Dieu en qui il a cru, il est un Dieu de l'impossible. Il a mouillé le bois, pour ne pas qu'on dise qu'il a mis essence dessus. Et qu'il s'est caché pour... Non, non, le bois était mouillé 7 fois. Au point que l'eau débordait. Il y avait comme une sorte de torrent tout autour de l'autel. À l'invocation du nom de l'Éternel, le feu est descendu du ciel et a consumé et le bois et l'holocauste. Dieu a démontré que rien ne peut le limiter. Rien ne peut le limiter. Ta situation ne peut pas le limiter. Le sida ne peut pas le limiter. Le cancer ne peut pas le limiter. Rien ne peut limiter le Dieu que tu adores. Dieu ne veut pas qu'on lui facilite la tâche. Il aurait pu empêcher qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Mais il a autorisé. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Et il a rencontré des contes durant toute la nuit. Il a causé avec les lions. Les lions ont eu la gueule fermée. Parce que Dieu sait qu'il est capable de fermer la gueule des lions. C'est pourquoi il autorise l'épreuve. Ne t'inquiète pas, pourquoi tu passes par tant d'épreuves? Laisse les épreuves venir. C'est un passage obligé. Mais Dieu veut se révéler à toi dans les problèmes, dans les difficultés, dans les épreuves, comme le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui ne veut pas qu'on lui facilite la tâche. Paul se met à prier. Il a une écharde dans la peau. Il dit, Seigneur, guéris-moi par 3 fois. Dieu dit, je ne te guéris pas. Ma grâce te suffit. Entendons-moi dire, quelqu'un qui est malade, s'il est en bonne santé, il pourra mieux servir Dieu. Mais Dieu a utilisé Paul puissamment étant malade. Là où on pensait que c'était des limites, Dieu a démontré qu'il n'a pas de limites. Dieu ne veut pas qu'on lui facilite la tâche. Ne cherche pas à lui faciliter la tâche. Tu vas te marier, ne cherche pas à corrompre les gens. Ne crée pas des songes, ne crée pas des visions pour effrayer la sœur. Dieu a dit. Hein? C'est Dieu qui a parlé. Nous tous, on craint Dieu. Ah, Dieu a parlé haut. Ne cherche pas à faciliter la tâche à Dieu. Sœur, tu aimes le frère. Ne te précipite pas. Aujourd'hui, on voit plus de ceux qui courent pour aller voir le frère. Dieu m'a dit, c'est toi. Le frère, il est surpris. Qui ça? Moi. Il ne peut plus dormir. SMS. Hey, frère, et mon affaire là. Et mon affaire là. Ah, Dieu a parlé. J'ai demandé à une soeur pourquoi elle fait ça. Elle dit, aujourd'hui, il y a trop de soeurs. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. J'ai dit, ah bon, mais comment tu vas savoir si Dieu est dedans ou non? Tu as reçu une pensée, reste tranquille. C'est ça la foi, reste tranquille et prie. Si c'est le frère, Dieu va lui parler également. Il viendra avec toi et ton témoignage sera clair et grand. Ne va pas le séduire. Et puis, même si quelqu'un d'autre l'a pris, ça fait quoi? C'était le dernier frère de la Providence. Je termine en disant, même si tu ne vois pas quelqu'un de ta promotion dans cette salle, ne t'inquiète pas. Dieu n'est pas limité à Niangon Nord. Il peut faire venir quelqu'un de très loin, à qui il va révéler ton visage et venir vers toi, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Que son nom soit béni. Alléluia. Développons la foi du moineau pour vaincre l'esprit de maman. Alléluia.